Une déferlante orange dans les rues de Kyakotomé pour marquer la phase finale des compétitions annuelles entre les clubs scolaires et extrascolaires des jeunes. Un projet porté par Gracid ONG et qui vise à éveiller la conscience des apprenants des collèges et des centres de formation professionnelle sur la sexualité. Le projet de promotion de la santé, des droits sexuels reproductifs. Un projet mis en œuvre par l'ONG Gracid dans la zone sanitaire à Plakwe, Dogbo, Kyakotomé, est un projet du consortium des organisations à savoir la BMS-PSI, la BPF et CARE International pour adresser les questions de santé sexuelle au niveau des adolescents et jeunes dans l'ensemble du pays et précisément au niveau de 12 zones sanitaires. Démarré en septembre 2018 dans la zone sanitaire à Plakwe, Dogbo, Kyakotomé, les activités de Gracid ONG ont permis d'impacter de milliers d'apprenants qui pourront servir de relais au sein de leurs communautés respectives. Le phénomène de grossesse précoce en milieu scolaire et dans les centres de formation professionnelle à la peau dure et mérite bien une attention particulière. 1122 cas de grossesse pour le compte de l'année scolaire 2018-2019 au sein de nos lycées et collèges du Bénin, parmi les auteurs, 7 enseignants, 185 élèves et 980 artisans. Nous avons voulu avoir zéro grossesse en milieu scolaire, mais les statistiques nous poignardent dans le dos. Parce que simplement, nos enfants, filles, nos garçons, les artisans, les professeurs et même les opérateurs économiques n'ont pas accompagné le mouvement. Et nous disons, ces filles qui sont dans le cadre scolaire et dans les milieux d'apprentissage sont comparables à des fruits non mûrs. C'est des mangues non mûres. Si vous les prenez, vous aurez des ulcérations dans votre bouche. Au départ, 19 clubs ont été sélectionnés dans les 3 communes d'Aplahoui, Dogbo et Kyakotomé. Mais à l'arrivée, 9 ont été retenus pour la présente phase finale. Après la délibération du jury, chacun des clubs finalistes repart avec son prix.